Salut les amis, salut salut, bonjour aujourd'hui. Eh ben aujourd'hui je suis bien content de vous présenter parce que je l'ai enfin terminé ma routine quotidienne d'échauffement, autrement appelée bubble routine par mon ami Guillaume Pornet, le boss de la marque Asba, hein, la marque française de batterie que vous connaissez tous maintenant. Alors, cette routine, elle est constituée de 12 exercices. 12, pourquoi 12? Me direz-vous, ben je ne sais pas. Parce que peut-être il y a 12 mois dans l'année, peut-être parce qu'il y a 12 heures dans une demi-journée, peut-être parce que c'est le 12 qui fabrique les batteries chez Asba, parce que Jean-Marc, salut poteau, ben son surnom c'est le 12. Alors, donc, je vais vous jouer les 12 exercices un par un, en mettant au milieu juste des frisés de 4 temps pour bien vous les présenter un par un. L'idée, c'est de les enchaîner. Mais là, je vous les fais comme ça. Je vais vous les jouer à un tempo moyen de 90. Il y a deux, trois notifications sur le poster que vous avez peut-être vu, que j'ai posté hier sur Facebook, sur ma page Denis Simon Batteur et sur mon compte Instagram. Il y a deux, trois indications en plus. En plus du fait que les bubbles, donc les points noirs et les points blancs, soient pour le rond blanc la main forte, pour le rond noir la main faible, ou le pied fort et le pied faible, pour ne pas dire main droite, main gauche, comme ça on parle aussi bien au droitier qu'au gaucher, hein, pas d'histoire avec les gauchers, ça va, hein. Donc, main droite, main forte, pied droit, pied fort, la ligne du haut c'est les mains, la ligne du bas c'est les pieds. Sur les pieds, il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas d'exercice spécifique, si ce n'est que de marquer les temps avec le pied droit, puis le pied gauche. C'est à titre indicatif, vous pouvez marquer les temps juste avec un seul pied pour commencer, si vous avez du mal. Et puis après, vous pouvez même marquer les temps en faisant des doubles croches, en mettant deux fois plus vite les pieds. Tout est possible. C'est un titre indicatif. Le truc qui est marrant, c'est que vous pouvez inverser les lignes et dire je bosse au pied la ligne des mains et la ligne des pieds, je la fais à la main. C'est-à-dire je marque les temps avec les mains et je bosse les exercices avec les pieds, ce qui est plus compliqué. Mais est-ce qu'il peut vous faire travailler les pieds? Parce qu'il lui dit, l'idée c'est ça finalement. Voilà, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Je ne sais pas. Hein, les tempos, il y a trois tempos différents. C'est à titre indicatif aussi, mais j'ai mis trois tempos. Un tempo pour les débutants qui va aux alentours de 70. J'ai mis 70, c'est entre 70. N'hésitez pas à commencer très lentement, 40, à 50, 50, 60. Parce que 50, c'est très lent et c'est très dur à tenir. Si c'est trop long, lent, 50, vous mettez 100. Ça dédouble le métronome, donc du coup c'est plus facile. Mais aux alentours de 70 pour les débutants, pour les niveaux intermédiaires aux alentours de 90, 100, aux alentours entre 90 et 110, j'ai mis 100. Et puis pour les pros, 130, là on commence à aller vite quoi, ça commence à aller très vite, il faut avoir beaucoup de dextérité, donc il faut l'avoir beaucoup travaillé, beaucoup l'avoir dans les mains. Voilà, je vous joue les 12 pas à la suite, mais l'un après l'autre. Il y aura une petite partition qui s'affichera à côté pour vous les montrer indépendamment les uns des autres. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des couleurs pastel. Ouais, bon, bah pour l'instant, c'est ça. Peut-être ça changera. Mais c'est pour reconnaître à peu près et pour pouvoir dire, tiens, fais-moi la bleue pastel numéro 12. Voilà. Bon. Numéro 12, c'est le chiffre du jour, bien que nous ne soyons pas le 12. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Rien. C'est bon, faites bien ça au métronome. Et puis, ben, c'est parti, je vous fais les 12 tout de suite. Let's go! Je vous joue les 12 exercices. Je vous les fais tourner deux fois chacun. Et entre chaque, je reste en frisé à la même vitesse pour vous annoncer les exos. C'est parti. 90. Le 1. Le 2. Le 3.
Le 4 avec tous les exercices différents. Le 5. Le 6. Le 7. Je le fais 4 fois. Le 8. Alors le 8, on peut faire deux fois les deux premières lignes. Je vous le fais comme ça aussi. Neuf, paradiddle diddle. Le 10, les rats, rat 5, rat 7, à deux vitesses. Dédoubler et redoubler. Sept. Les mêmes en speed. 5.
le 7. Ok. Le 11e exercice avec des flats et des flats de l'armée suisse. Et enfin le 12, pareil avec des flats paradiddle que j'appelle des flabadiddle, des flam taps et des flapata. Ouais, c'est ça. Bon ben voilà, vous avez remarqué que je finis avec un flam taps. On peut finir comme ça en l'accélérant si on a envie. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je pense que celui-là il est très important parce que là il y a quand même un truc à bosser, une routine journalière qui va vous permettre de savoir quoi faire déjà quand vous vous mettez derrière votre set de batterie, parce que souvent mes élèves me disent quand je me mets derrière la batterie je sais pas trop par quoi commencer. Et voilà, commençons par le commencement, échauffement. Ces échauffements ils sont faits des rudiments principaux utilisés par tous les batteurs, donc non seulement ça sert pour s'échauffer, mais ça peut être très pratique pour avoir gagné, pour gagner en vocabulaire derrière son set de batterie et pour pouvoir développer son jeu. Bon ben voilà, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce si vous avez aimé. Faites-moi vos retours en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si c'est bien pour vous aussi. Moi, avec mes élèves, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Allez, la suite au prochain épisode. Ciao, bye! Soyez fort, soyez grand, soyez beau, soyez groovy. Ciao les gars. Bye. Abonnez-vous. Et mettez un pouce.